Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours d'aquarelle en confinement. Aujourd'hui, nous allons voir comment peindre un paysage atmosphérique d'après Thomas Girtin. Alors Thomas Girtin, il est beaucoup moins connu que Turner. C'était un ami de Turner et il a eu la malchance de mourir à 27 ans. Sinon, il aurait peut-être été aussi connu que Joseph Mallor William Turner. C'est un aquarelliste éblouissant. Avec Turner, ils ont fait leur classe en copiant notamment des John Robert Cousins, magnifique aquarelliste du tournant du 18e et du 19e siècle, et qui va lancer vraiment l'aquarelle anglaise du 19e siècle, l'aquarelle anglaise moderne. Ici, donc, il s'agit d'une magnifique aquarelle qui représente Dumbarton Rock, avec le château. C'est vraiment une aquarelle atmosphérique avec dans les tons gris et orangés, avec un large ciel. Donc une aquarelle construite avec à peu près 3 couches. Et on va voir l'importance très grande donc des réserves dans les aquarelles, donc si évocatrices, si en même temps précises et sensibles de Thomas Girtin. Voilà, la suite en images. Alors, là, on va utiliser donc du grid pen que j'ai récupéré sur ma palette. Là, il en restait un petit peu. Donc là, j'ai du rouge cadmium clair et du jaune. Alors, il s'agit de gomme gutte, mais vous pouvez très bien prendre du jaune primaire. Ça nous donnera des teintes un peu verdâtres mélangées avec le gris, ou mélanger avec le bleu phtalo. Alors là, il y a du bleu phtalo à gauche sur la palette, et il y a du violet que je me suis fait dans un bleu violacé. Voilà. Alors je commence le haut du ciel avec du bleu violacé, hein, comme on avait vu sur le tuto sur les ciels, et après, ça va être fondu avec du bleu phtalo. Hein, donc voilà. Plus violet sur le haut, et pour l'assombrir, et ensuite on passe sur du bleu primaire. Voilà, donc vous voyez, là j'ai remis du bleu phtalo dans le violet, donc vraiment pour assurer le modelé. Et là vous voyez, je m'arrête, voilà, là je travaille les réserves tout de suite, donc je pense à la forme, vraiment la forme du nuage, là que je vais laisser en réserve. La forme du gros nuage gris. Donc là on travaille les réserves, hein, donc là c'est vraiment du ressenti, c'est hyper sympa, enfin vraiment. Vous devez ressentir du plaisir à faire ça. C'est-à-dire à trouver la forme directement. Il n'y a pas de dessin sur le papier. Voilà. Donc, avec les nuages, vous avez vu, il y a vraiment une dynamique de diagonale pour trouver les petits rythmes qui vont faire les franges du nuage. Vous avez un peu une logique de diagonale donc qui est recroisée ensuite. Donc, voilà. Diagonale qu'ensuite on vient casser avec une perpendiculaire de temps en temps. Voilà, vous voyez, hop, c'est perpendiculaire comme vous voyez. Vous voyez, perpendiculaire. Voilà. Vous voyez cette logique de perpendiculaire. Donc, donc une perpendiculaire inclinée selon un axe diagonal. Voilà, qui vous permet de travailler donc un rythme qui va se retrouver dans l'effrangage des nuages, qui va être récurrent. Voilà, donc le ciel est plus clair à mesure qu'on descend. On travaille encore donc avec le pinceau, en frottis. Donc là, mon pinceau, c'est un poil de chèvre, hein, c'est vraiment bien, il y a vraiment une bonne association entre le poil de chèvre, ce pinceau-là et ce papier qui est très rêche. Donc c'est du papier Caddy, 300 grammes, ça marche très bien pour les nuages, c'est très agréable. Donc, trouver chaque papier a ses qualités, enfin à partir du moment où il est de bonne qualité, bien sûr, mais chaque papier a son utilité. Il faut trouver un peu une relation personnelle avec son papier. Faut ressentir ce qui peut vous donner et essayer d'aller dans ce sens. Donc là, j'ai réintensifié le haut du ciel, il était resté humide. Donc par ce fait, donc j'entretiens en même temps l'humidité, très important bien sûr pour continuer de travailler sur l'effrangage des nuages.
D'accord? Donc j'ai vraiment complètement remis du phtalo. Donc du phtalo qui a été intensifié en couleur, hein, en passant sur la pastille. D'accord? On reprend de la peinture sur la pastille, sinon ça ne va pas intensifier sur l'aquarelle. Voilà, je travaille donc les cumulus du fond. Hein, comme vous êtes des professionnels des nuages, maintenant vous savez que c'est des cumulus, ces nuages, qui viennent du large. Voilà, et là vous avez le ventre, le dessous des cumulus, donc qui est dans une logique très horizontale, très très horizontale. Donc on va vraiment travailler les réserves, les bandes de réserve de papier sec, donc entre ces lignes, vous voyez. Donc les bandes de réserve, voilà, sont amaigries ici. Voilà, ça va être fondu. C'est très important de dessiner tout de suite un maximum de choses en laissant un maximum de réserve tout de suite avec le pinceau et ensuite vous enlevez de la réserve. Ensuite vous faites disparaître un peu de dessin pour revenir à une sobriété et pour redonner son importance et sa primauté à la masse. D'accord? Vous avez un passage par les détails, tout en restant très humide, et puis ensuite vous rassemblez tout ça pour revenir à la masse. C'est comme ça que vous pouvez avoir des nuages. C'est vraiment un compromis, enfin, une balance perpétuelle, donc entre le fait de faire des détails et le fait de faire de la masse, de revenir à la masse. Vous avez vraiment ces deux polarités, hein, détail-masse, qu'il faut naviguer entre les deux, il faut essayer de créer une harmonie entre ces deux polarités. Voilà, donc là c'est du cloisonnement tout bête. Hein. Hein, on a un gris un peu violet, j'ai mélangé du gris de peine avec du violet. Voilà. Vous avez vu que je suis repassé sur la vie là pour l'humidifier, pour le réhumidifier pour pas qu'il sèche. Super important. Hein. Vraiment, vous prenez ce réflexe-là de revenir sur la vie que vous posez. Vous revenez une deuxième fois dessus pour le réhumidifier vraiment. Donc là, vous voyez toutes les réserves que je laisse dans le lavis directement. Voilà, et là, je dessine directement à la pointe du pinceau en laissant beaucoup de réserves entre les coups de pinceau. Et ensuite, on rassemble un peu. Ouais, c'est vraiment le processus qu'il faut adopter pour ce genre d'aquarelle où la réserve est très importante. C'est très dessiné. C'est très graphique. Et là, donc, je prends de l'eau. J'en ai pas encore parlé, hein, mais voilà, là c'est vraiment très important. Maintenant, c'est que très régulièrement, maintenant, quand je pose des touches de couleur, eh bien, très souvent, après, je viens diluer cette touche avec de l'eau pour la tirer dans une direction. Donc, avec les nuages, c'est très important. Vous avez vu dans le nuage qui restait un peu blanc, là, il y a une dilution vers le blanc. Ça, c'est pour assurer le dégradé, donc du gris vers le blanc. Évidemment, très important à l'intérieur du nuage. D'accord? Donc il faut savoir où votre gris est en coupe nette et où est-ce qu'il doit être en dégradé, en passage. Et à ce moment-là, tout de suite, vous créez ce passage donc directement avec de l'eau pure. Donc là, on passe à la. Donc là, c'est l'horizon que je pose. Hein. Donc avec une couleur violette. Violette, c'est du violet, très dilué. Ça va simplement faire une sous-couche. Ça va presque être blanc. Hein. C'est très très pâle. Hein. C'est pas grand-chose. Voilà. Voilà. Alors là, c'est le rocher. Donc le ciel a séché pendant que j'étais en train de. Ah, il a séché, mais on va voir que. Vous voyez, je me suis arrêté parce que c'était pas assez sec. C'est en train de fondre encore un peu dans les nuages, donc hop, j'ai laissé ça, je reprends d'un autre côté. Pas de risque que ça sèche puisque de toute façon c'était vraiment trop mouillé, donc le papier est déjà mouillé à entretenir. Là vous voyez, j'aborde la masse vraiment par plusieurs côtés, hein, vraiment pour essayer de la cerner, de la comprendre, et un peu par l'intérieur. Vous verrez qu'elle va grandir un peu cette masse. Voilà, vous voyez, ça a grandi. Et vous regardez toutes les réserves qui restent à l'intérieur de la vie. C'est très important. Il y a plein de réserves, il y a plein de donc de voilà, travailler vraiment comme ça en laissant
en laissant des anfractuosités dans ce que vous faites comme ça. C'est ça qui va donner du relief à votre aquarelle. C'est la technique reine. Voilà. Regardez toutes les... Voilà, et les parties claires, on les laisse en réserve. D'accord, pour l'instant, parce que là, c'est la partie en ombre que je pose. Partie claire, là, je pose donc le rouge cadmium. Donc tout de suite, hein, on vient poser le fond clair. Donc on sépare tout de suite l'ombre de la lumière, c'est très important. Voilà, rouge cadmium qui va donner la teinte chaude. La lumière est chaude. Voilà. J'en pose légèrement dans l'ombre aussi. Voilà, du rouge cadmium, mais aussi du jaune. Hein, voilà, pour avoir ces orangés de la lumière. Voilà. La lumière d'un jour déclinant. Lumière chaude. Voilà. C'est un peu l'heure des peintres. La fin, la soirée, quoi. Voilà, donc la partie claire. C'est très clair derrière. Là. Un peu séché sur le bas, mais je cloisonne. Hein. C'est cloisonné, en fait, c'est pas encore sec. Je cloisonne et donc je laisse donc en réserve la masse de le banc de sable hein, qui doit être devant. Voilà, donc là j'avais posé du bleu, je pose du gris dans le bleu. Ensuite, je poserai du bleu dans le gris. Enfin, vous voyez, on va structurer cette couleur comme ça, bah, grâce à deux polarités de couleur, le gris et le bleu phtalo. Donc c'est vraiment une méthode à... Il faut bien s'entraîner là-dessus, c'est-à-dire comment on faut chercher la couleur sur le papier directement. Voilà, donc regardez donc toutes les réserves que je laisse, bien sûr. Donc ça reste bien frais tout ça. Vous voyez la cuvette hein, qui reste, voilà, je l'enlève. C'est bien mouillé, donc on commence à travailler donc l'horizon. Donc il va falloir mettre en accord, là vous allez voir que je vais faire l'horizon trop bas sur la gauche par rapport à l'horizon qui est sur la droite et ensuite je vais devoir le reprendre, je vais devoir le surélever, mais c'est vraiment le rôle de la, c'est ça qui est bien avec la première couche, c'est souple, vous pouvez reprendre, donc c'est très important de prendre son temps pour les reprises, prendre son temps dans à chaque phase pour vérifier que tout est bon, voilà. Vous voyez, chaque phase, faut pas se dire je laisse derrière moi un cadavre, mais c'est pas grave, je le reprendrai et tout. Non, non, enfin, tout doit être bien, quoi. Voilà. Sinon, ça va vous brider par la suite, ça va vous occuper la pensée et vous empêcher d'être libre. Voilà, donc là je travaille dans la reprise dans le ciel, donc c'est du violet pur. Donc le gris est suffisant en fait. Le gris de peine est très fort, hein, donc le gris de peine de première couche s'est imposé, c'est quand même resté assez gris, donc là je suis revenu avec un violet pur. Phtalo plus magenta, hein, le violet. Voilà, et donc vous avez vu toutes les réserves là que je pose là de l'intérieur. Bien sûr, ça va pas rester tout ça. Hein. Je vais les amaigrir carrément, je vais les travailler, etc. Et là, je vais travailler longtemps sur cette masse. Hein. Ça va pas se faire comme ça. Hein. Parce que ce qui nous intéresse, c'est les petites réserves qui vont rester, qui vont donner comme ça des choses impalpables. Si vous regardez l'original de Girtin, là-dedans, vous verrez toutes les petites réserves qui restent. Et c'est super important. Mais toutes ces petites réserves, c'était comme ça à l'origine. Il a laissé des gros machins et ensuite, il peut les retailler. Et oui, parce que c'est très important que toute cette masse reste humide longtemps, justement pour travailler ces petites réserves. Donc, il faut une grosse masse. Donc, il faut tout faire d'abord en laissant des gros trous, enfin des grosses réserves. Et ensuite, voilà, on les amaigrit. Comme ça reste bien frais. Et tout communique. Voilà. Ça sèche pas. Ça sèche très lentement. Une grande masse sèche très lentement, une petite masse sèche très vite. Voilà. Vous avez vu comme les réserves ont maigri là. Je les travaille. Hop. Voilà. Et c'est ça, c'est là que le travail est long. Hein. C'est dans cette. Et on cherche en fait. C'est du dessin. Le travail de l'aquarelle est en permanence du.
du dessin, on dessine en permanence. Hein, surtout que là, il n'y a pas de dessin sous-jacent, on y va, on réfléchit en peignant, on dessine, on improvise, etc. Et vous voyez, enfin, vous le savez déjà, puisque ça fait un moment que vous le faites, en fait, mais on a une liberté qu'on n'a pas quand on travaille avec un dessin trop ferme. Ça, c'est justement un passage, l'aquarelle au dessin. Guirtine, il opère cette transition, toutes ces aquarelles du début. Il est mort jeune, le pauvre, hein, il est mort vers 27 ans, je crois. Mais toutes ces aquarelles au début sont toutes dessinées très soigneusement, très scolairement. Hein. Il copie d'ailleurs beaucoup de Cousens, de John Robert Cousens. Mais par la suite, ces aquarelles sont... Il n'y a plus de dessin préalable. Très souvent, il acquiert une grande liberté au cours de sa carrière, courte. Et puis ensuite, vous avez son ami Turner qui c'est absolument éclatant, c'est évident. Donc sa liberté d'improvisation sur les aquarelles, et d'ailleurs c'est très important, je ferai un tuto plus tard sur les premières couches de Turner, parce qu'on a encore beaucoup d'aquarelles de première couche de lui. Et il est absolument évident qu'il n'y a pas de dessin, donc qu'il dessine au fil du pinceau. Et ça, c'est une révolution, hein, dans l'art de l'aquarelle. C'est complètement une révolution. Hein. Donc c'est vraiment Guirtine et Turner qui osent ça. Donc là, on est entre à peu près entre. Donc c'est l'époque entre 1800 et 1830. Vraiment le début du 19e siècle. Voilà, donc cette masse de violet est descendue, donc très très dessinée. J'ai beaucoup travaillé donc le dessin, la réserve à l'intérieur. C'est resté très frais. J'entretiens l'humidité plus haut, donc j'en rajoute de l'eau plus haut en permanence. Vous voyez la cuvette, les différentes cuvettes, et je les ai rajoutées. J'ai rajouté de la couleur, du violet toujours. Hein. Pour réintensifier, donc on remarque que c'est plus intense sur le haut du ciel, il y a plus de contraste, hein. C'est normal, c'est plus près de nous, le haut du ciel c'est plus près, faut bien avoir ça en tête, c'est pas plat le ciel, c'est en perspective, donc comme c'est plus près, il y a plus de contraste, donc c'est plus, donc l'ombre est plus forte, elle va se découper plus fortement. Voilà, et donc là ça va être des tons plus légers qui vont être posés là, plus nuancés, et donc j'utiliserai souvent un pinceau avec de l'eau pour tirer cette couleur et la faire passer vers l'intérieur clair du nuage. Donc là, bien sûr, il faut bien se rappeler qu'on ne repasse pas partout. Il faut laisser des larges portions de première couche, donc qui n'ont pas été peints, en fait. Alors, qui n'ont pas été repeints. Donc ne pas résister aux démons qui nous incitent à tout couvrir. Voilà, donc toutes les petites touches qui sont rajoutées. Là, j'avais posé ma couche principale reste encore humide. Ça ne sèche pas encore. Donc je l'entretiens. De temps en temps, je retouche, je remets un peu de la vie pour entretenir. Mais vous avez toutes ces petites touches éparses là qui doivent être assez exactes parce qu'elles vont sécher assez vite. Donc c'est quand même assez définitif. Quand vous posez des touches isolées, il faut faire attention qu'elles vont sécher vite. Donc essayez de les faire bien tout de suite. Voilà, donc toutes ces touches que... Donc j'essaye, je les pose isolées d'abord, mais après j'essaye un peu de les joindre quand même pour qu'elles aient cette inertie de l'eau, que ça sèche moins vite. Voilà, donc là on dessine, hein, toujours, c'est vraiment la pointe du pinceau. Là ça se voit pas forcément, mais le pinceau est quand même assez, au moins à 45 degrés, relativement vertical, pour pouvoir vraiment utiliser la pointe. Vous voyez comme c'est un pinceau gros, mais c'est fait à la pointe, c'est précis. Et ça doit être vraiment dessiné. Ouais. Voilà, et en même temps, donc on découpe. Voilà, là je m'approche de la masse. La masse du rocher,
Et là, pour le coup, le rocher se retrouve à être plus léger que les nuages. C'est aussi parce que l'aquarelle est fraîche, donc ça apparaît beaucoup plus fort que ce que ça sera quand ça va sécher. Mais le rocher, bien sûr, c'est une première couche et il va ensuite devenir plus foncé. Voilà, donc là vous voyez qu'à chaque fois c'est de l'eau pure là, que je rajoute pour essayer de. J'essaye de faire en sorte que ça soit plus léger au bout du nuage. Hein. Vous voyez que c'est beaucoup plus léger au bout du nuage que dans sa masse ventrale, celle qui est proche du rocher, qui est beaucoup plus forte. Voilà, donc je rajoute à cet endroit qui est près du rocher, donc vraiment sous le ventre du nuage, c'est plus fort. Et donc en terminaison du nuage, là, c'est ces bras de nuage qui terminent sur la gauche, là, et c'est beaucoup plus léger. Il faut vraiment faire attention à ça. Voilà, de la même manière, là, la partie basse donc de la grosse masse de nuages sur la droite, là, elle est plus légère la partie basse que la partie haute, hein, comme je l'ai dit précédemment. Donc faire attention à ces dégradés généraux qu'on ne voit pas, on s'en aperçoit pas tellement, hein, ce genre de dynamique. Parce que comme les masses sont grosses, on a du mal à identifier ce genre de contraste. Voilà, donc là je pose l'arrière-plan des collines avec les masses de gris. Le travail de réserve est constant, comme vous voyez, les filaments de réserve. Alors entre-temps, bien sûr, j'ai posé la deuxième couche du rocher. Et malheureusement, l'enregistrement a raté, donc j'en suis désolé, mais je. Voilà. Donc vous pouvez regarder, en tout cas, je vous parlais quand même un peu de ce rocher. Ça a été fait comme les nuages, hein, finalement. Hein. C'est-à-dire que bon, il y a du gris avec de la terre de chêne brûlée pour réchauffer un peu ce gris. Parce que voilà, c'est nécessaire, hein, même sur les ombres. Et donc, regardez bien le travail de réserve à l'intérieur. Bien sûr, ces réserves étaient plus grosses et elles ont été peaufinées par la suite. Regardez bien aussi le sens, les directions des réserves à chaque fois qui vont épouser le sens du rocher, les obliques qui se retrouvent. Et à chaque fois, vous avez une logique aussi de perpendiculaire. Regardez bien la partie éclairée sur la droite du rocher. La partie éclairée, vous retrouvez vraiment une logique de perpendiculaire entre les différentes réserves, les différents axes qui animent. Un perpendiculaire un peu incliné vers la gauche. Donc là, sur les bancs de sable, on pose de la terre de chêne brûlée pour donner le côté ocre. Et donc ça, c'est vraiment cloisonné entre les masses, entre les parties maritimes, les parties de mer. Donc ils sont posés avec du gris de penne, qui va donner vraiment le côté froid, et mélangé avec du bluff talo. Et regardez encore toutes les réserves qui restent à l'intérieur de ça. Ce sont des touches qui ne se touchent pas, qui sont proches, mais qui ne se touchent pas. Vraiment travailler comme ça. Entraînez-vous à travailler comme ça, avec des touches proches qui ne se touchent pas. Et ultimement, en général, ils se touchent à un seul endroit, c'est mieux pour les faire un peu communiquer. Mais l'important, c'est qu'elles ne se touchent presque pas. C'est surtout ça le truc. Ne les laissez pas complètement cloisonner non plus. En général, c'est pas mal de les faire se toucher. Dans ce genre de technique par couche, en tout cas. Voilà, donc regardez donc encore une fois les réserves dans les falaises qui sont sur la gauche. Voilà, et ici donc on aborde la deuxième couche sur la montagne avec du gris de penne. Non, c'est la troisième couche, pardon. La troisième couche sur le rocher. Donc regardez, là vous avez un peu vous pouvez discerner ce qui s'est passé en deuxième couche que vous avez raté. Donc c'est les réserves, à quel point donc on se concentre sur les réserves quand on travaille avec le pinceau. Regardez que le pinceau a changé, hein, je suis plus avec mon gros poil de chèvre. J'ai un petit pinceau, pointe fine, qui jointe. Mais c'est l'heure du bon. Papa, c'est l'heure du bon. Oh.
désolé. Donc c'est super dessiné comme vous voyez, on reprend toutes les, donc, tous les axes. Donc là on va travailler l'intérieur des ombres, donc, le dessin, c'est le dessin dans l'ombre. Hein. Tous les détails dans l'ombre n'ont pas été faits avec cette deuxième couche. Et ils apparaissent ici dans la troisième couche, donc par la réserve. Donc c'est vraiment la réserve qui fait apparaître les détails, comme vous voyez. Donc une fois qu'on a posé le lavis, on intensifie maintenant. Donc le lavis était léger, hein, gris léger, et maintenant on intensifie aux endroits qu'il faut, simplement en distillant la couleur à l'intérieur de ce lavis. Voilà. Et maintenant, des touches très légères pour avancer un peu cette œuf, créer le dégradé, enfin un peu par... voilà. Donc dans les parties claires, donc il y a quand même des petites ombres, donc on va travailler donc très finement comme ça, et plus légèrement que dans l'ombre. Voilà, alors le travail de l'aquarelle n'est pas encore tout à fait fini, mais vous en avez eu à peu près l'essentiel. Donc déjà une aquarelle qui se construit presque sans dessin ici, avec une palette réduite, peu de couleurs, et donc un primat vraiment donné au dessin, à la réserve, au cloisonnement. Donc c'est vraiment construction très solide et en trois couches qui permet d'avoir cette précision, cette modulation atmosphérique très propice à ce genre de sujet très large qui donne vraiment une grande valeur à la distance et à la monumentalité. J'espère que pour vous c'est une belle découverte et je vous engage à voir, découvrir l'ensemble de son œuvre. Il est mort tôt, le pauvre, hein, mais vous pouvez en retrouver beaucoup sur Internet et je pourrais aussi en mettre à vos dispositions. C'est vraiment un des très grands aquarellistes anglais. Et Turner a dit de lui que s'il n'était pas mort si jeune, lui, Turner, aurait eu du souci à se faire pour la concurrence qu'il aurait pu lui faire. Voilà, ce qui est un grand hommage pour son ami défunt. Voilà, bah écoutez, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Et en attendant, portez-vous bien et continuez de faire de l'aquarelle.